Oui, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici, Maître Pégard, de la tradition. Que le Créateur et les mânes de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de fer et une longue vie. Ici, Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes. Avocat des femmes. Et je salue aussi tous les messieurs qui sont là, qui nous suivent depuis et qui s'abonnent massivement. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo massivement et de vous abonner. C'est important de vous abonner et de partager la vidéo. Activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. C'est très important. Vous savez, la chaîne Secret pour les femmes, c'est reste toujours pour les femmes, Secret pour les femmes. Je suis à la page des hommes. J'ai créé cette chaîne-là pour les femmes. Mesdames, je suis votre avocat. Je ne vous ai pas lâché. Je suis avec vous. Et je vais profiter pour dire un petit message, parce que j'aime bien glisser des petits messages parmi. Vous savez, quelque chose qui m'a beaucoup touché, m'a beaucoup plu. Il y a une dame, je ne peux pas dire son nom. Vous vous souvenez, j'avais dit, les gens qui disaient, aimez mettre paix, que je vous aide, non. Mais est-ce que vous-même, vous avez déjà fait même un petit don? Vous ne voyez pas mes numéros de compte ici? Eh bien, cette dame-là m'a fait un virement de 17 euros. Donc, c'est la seule personne. Hein. Vous êtes à plus de 80 et quelques mille. Hein. Comment vous expliquez ça? Une seule personne, 17 euros. Eh bien, mais cette personne-là, je vais tout faire pour l'aider. Parce qu'au fait, ce n'est pas l'argent. Je pense que c'est là que vous vous êtes égaré dans votre tête vous-même. Ce n'est pas l'argent. Parce que je ne suis pas en train de quémander de l'argent. Pas du tout. Si vous dites, vous aimez mettre paix, non? Mais si vous aimez mettre paix, vous savez que mettre paix vous donne des choses à titre gracieuse, mais encouragez les gens. C'est de pourquoi le Nord aime toujours les choses qui sont faciles, gratuites. Tout est gratuit. C'est-à-dire le monde la vie de la gratuité. Mais on vous donne des choses, au moins de temps en temps, pour dire non, vraiment. Et en plus, la majorité des gens font les recettes, ça marche. Vous me dites, bon, c'est vrai, si peut-être que c'est mettre paix qui avait fait le travail pour nous, ou bien quelqu'un d'autre. Ça allait nous coûter de l'argent. Mais vous ne faites aucun geste, rien. C'est pour cette raison que j'ai mis le bouton rejoindre. Comme ça, si vous voulez que je réponde à vos messages, vous allez payer 99 euros par mois. C'est simple. C'est comme vous voulez que 101 francs, vous voulez que je me mette à vous donner des recettes et des vidéos gratuitement. En plus de ça, vous voulez que je réponde à vos messages gratuitement. Mais c'est quoi? C'est pas, je ne suis pas l'armée du salut. Vous pensez que je n'ai rien d'autre à faire et puis c'est dans YouTube, je suis. Et puis, c'est argent que je cherche sur YouTube. Je vous ai dit, YouTube ne me donne pas à manger. Ça, c'est clair et net. Je vous le dis, c'est comme ça. Si YouTube me rapportait quelque chose, je pense que je ne me serais même pas fatigué. J'allais tous les jours dessus. Et tous les jours, j'allais vous donner des vidéos. Parce que la connaissance là-même, je suis le gardien de la tradition. Connaissance de là, c'est trop. J'allais vous donner des vidéos. Est-ce que j'allais même pas vous fatiguer pour dire je dois commander quoi que ce soit. Je vous donne que des vidéos. Si je sais que ça me rapporte de quoi vivre, j'allais que vous donner des vidéos. J'allais même pas me fatiguer. Je reste chez moi, puis je fais des vidéos. Je vous donne des recettes, des choses qui sont fiables. Puisque ma tête est plus qu'un dictionnaire. C'est rempli. Plus de 34 ans de métier, c'est beaucoup. Donc, ce qui fait que je vous donne des recettes. Ce serait dans le cas où que YouTube me rapporte quelque chose. Mais YouTube ne me permet pas de vivre. C'est impossible. Donc, vous voulez que je fasse quoi? Je reste là. Je dois faire des vidéos pour vous donner. En plus que ça, répondre à tous vos messages, vous aussi. Et puis, ça ne me rapporte rien. Je vis comment? On appelle ça le bon sens de la logique. Bref. Nous allons arriver sur, comme je vous ai dit, mesdames, n'oubliez pas de partager la vidéo, activer la cloche de notification et surtout abonnez-vous massivement. Ici, Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes. Et n'oubliez pas notre petit slogan, prenez votre petit carnet et écrivez. Vous savez qu'il y a une époque, nous sommes arrivés à un stade dans cette vie qu'il y a beaucoup d'injustices qui se passent. Les gens sont victimes de plein de choses qui ne savent pas comment s'en sortir. Je vais vous donner comment vous en sortir. Mais il faut avoir le courage de le faire. Il faut avoir le courage de faire ce que je vais vous expliquer. Et le résultat, vous serez étonné par le résultat. Étonné, même si vous êtes à Paris, parce que la majorité des personnes qui suivent Maître P à travers ces vidéos, c'est partout dans le monde. Mais il y a une grande majorité qui sont tous sur la France. La France, sous l'Europe, on dira, nous dirons ainsi. Bien sûr, l'Afrique et autres. Mais
Je sais un petit peu puisque j'ai les statistiques, donc je vois un peu où se trouvent un peu les gens. Vous savez que, prenons sous la France, parce que nous sommes sous une chaîne francophone, il y a la France, il y a la Belgique, bon, ben, il y a plein de pays francophones là-bas, mais restons sous les pays, par exemple, comme la France, ou éventuellement la Belgique, c'est pas facile d'aller marcher dans un cimetière. Mais je vais quand même vous donner le secret quand vous avez trop de problèmes. Quand vous avez trop de problèmes, ça ne va pas. Parce que ce que je vais vous donner, ce n'est pas interdit. Mais le résultat, si vous arrivez à faire ça, je vous assure, vous allez dire que j'ai donné ça à certaines personnes qui l'ont fait, mais je les ai donné ça en privé. C'est eux-mêmes qui m'ont dit, Ahmed, ça a marché, il faut donner ça. Mais j'ai dit, mais je sais ça, ça a marché, mais vous savez, je vais aider les gens, mais les gens eux-mêmes, est-ce qu'eux-mêmes veulent m'aider? Quand je parle de aide, je précise bien, je ne suis pas en train de demander aux gens de me donner quoi que ce soit parce que toutes les choses, je mets en vente. Donc ceux qui veulent acheter, achètent. Moi, je vous dis, tout est gratuit. Les vidéos, les recettes sont gratuites, à titre gracieux. Vous n'avez rien à payer. Je suis très clair pour ne pas déformer mes propos. Voilà. Donc, maintenant, quand vous avez trop de problèmes, des difficultés, qu'est-ce que vous faites? Vous allez où il y a un cimetière, même si c'est à Paris. Père Lachaise ou plus grand cimetière de Paris. Donc vous pouvez faire ça à Père Lachaise. Bon, comme si c'est un peu trop grand, vous pouvez aller chercher où il y a un cimetière. Mais que, bon, nous ne sommes pas encore en hiver, donc c'est assez. Nous sommes en train de finir le printemps pour entrer en été. Donc là, la température, elle est bonne. Vous allez à midi là-bas. Vous entrez à l'entrée du cimetière. Ça, c'est un secret dandy, efficace, terrible. À l'entrée du cimetière, vous regardez sous la droite, vous dites Sainte Radégonde, Sainte Radégonde, Sainte Radégonde, je vous demande la permission d'entrer. Et vous entrez. Quand vous entrez, vous vous mettez à genoux. Je vous dis, c'est pas facile, c'est dur, mais il faut avoir le courage. Et vous allez marcher à genoux, et vous allez faire à genoux, hein, tout le tour comme ça, marcher à genoux, le tour du cimetière comme ça. Faites tout son tour comme ça, à genoux. Et vous allez parler. Ça, c'est un secret que vous allez dire, non, vraiment, Maître P. Vous nous avez sortis dans les situations les plus critiques de nos vies, les plus difficiles, les plus désespérantes. Même si on veut vous mettre dehors de chez vous, même si vous allez avoir le plus gros problème du monde, faites ça. Vous allez voir qu'il y a un miracle qui va se produire. Vous allez sortir dans ce problème-là. C'est garanti. Ça, c'est un secret qui a une efficacité tellement, elle est tellement forte et efficace. Mais elle n'est pas facile à faire. Vous marchez, marchez, à genoux, vous restez à genoux. Ne mettez pas quelque chose sous vos genoux, hein. Même si vous gardez vos chaussures si vous voulez, mais le mieux, c'est enlever vos chaussures et rester nu-pied et marcher sous votre genou. Mettez-vous à genoux et puis marchez. Ce n'est pas interdit, on ne peut rien vous dire dans le cimetière, parce que vous n'allez pas contre la loi. Vous pouvez, si vous voulez, informer, vous êtes avec quelqu'un pour informer que vous avez... on ne va rien vous dire, vous êtes en train de marcher à genoux. Qui va vous dire de vous lever là? C'est pas possible. Si je l'avais jamais fait dans Paris, j'allais vous dire, bon, ben ça, c'est un délit. Je sais ce qui est délit, ce qui n'est pas délit, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Donc, je vous donne à faire quelque chose. Vous pouvez le faire même sur le cimetière de Père Lachaise qui est à Paris ou un autre cimetière quelque part. Mais au moins, pour Paris, la Père Lachaise, je sais qu'on ne vous dira rien. Pour les autres, je ne sais pas. Je ne peux que parler où je sais qu'il n'y aura pas de problème. Mais le fait d'être à genoux, je ne vois pas en quoi ça va, en quoi on viendra vous dire quelque chose parce que vous n'êtes pas en train de déterrer quelque chose, fouiller quelque chose, casser quelque chose. Donc, je reprends la chose. Vous entrez dans le cimetière à midi, quel que soit le jour. Parce qu'on a nos problèmes, il n'y a pas une question de jour. À midi. Et là, vous regardez sous la droite. Vous allez vers la porte du cimetière, vous regardez sous la droite. Vous dites, Sainte Radégonde, Sainte Radégonde, Sainte Radégonde, je vous demande la permission d'entrer. Et là, vous enlevez vos chaussures et vous mettez à genoux. Et vous marchez. Vous marchez. Vous allez faire le contour du cimetière, mais à l'intérieur du cimetière. Dans le cimetière, mais vous faites le contour, même s'il faut passer à côté des tombes, entre des tombes, des fosses, etc. Et vous allez parler tous vos problèmes, tout ce qui ne va pas. Vous dites, vous jetez tout ça ici. Vous déversez tous vos problèmes ici. Et vous marchez, vous continuez à marcher sous le genou, à genoux. Même si ça vous fait mal, croyez-moi, même si ça vous fait mal, marchez, marchez, tenez bon. Et le courage, faites ça avec la foi, la détermination. Au nom du Créateur, les mains de nos ancêtres, faites ça avec toute la foi qu'il faut. Marchez, 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 marchez. Faites le contour, 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 contour. Quand vous êtes arrivé maintenant au niveau de la sortie, vous levez, même si vous avez du mal à vous lever parce que c'est dur,
Si vous voulez, pouvez prendre quelqu'un pour vous accompagner, mais ce genre de choses-là, c'est un peu difficile de faire quelqu'un vous accompagner parce que la charge peut sortir sur vous et aller sur la personne. Donc la personne peut-être peut vous attendre dehors, mais ce n'est pas bon que la personne vous suit. Parce que tout ce que vous êtes en train de jeter, débarrasser sur vous là-bas, ça peut monter sur la personne et puis vous repartez avec. Donc, il vaut mieux aller faire ça seul, avoir votre courage et puis marcher, marcher. Sur le genou, à genoux, vous marchez à genoux dedans. Donc, arrivez maintenant à la porte de sortie. Vous vous redressez, même si c'est difficile, vous mettez debout, vous mettez vos chaussures et vous regardez encore sur la droite, à votre droite, hein, puisque vous êtes debout face à la sortie. Vous regardez sur votre droite, vous dites Sainte Radegonde, Sainte Radegonde, Sainte Radegonde, je vous remercie. Et là, vous regardez plus derrière et vous partez. Le résultat est sans appel. Tout ce que vous avez énuméré, que vous avez comme problème, vous avez laissé là-bas, c'est terminé. Parce qu'on n'a jamais vu un mort revenir à la vie. Ça n'existe pas. Tout ce que vous avez libéré dans ce cimetière, c'est terminé définitivement et à jamais. Sous ce, c'était Maître P. Mesdames, je dis, je suis votre avocat. Partagez la vidéo et abonnez-vous massivement. Ici, c'est de la haute science. La haute science pour vous aider à vous en sortir. Sous ce, prenez soin de vous. Que le Créateur des mains de nos ancêtres nous accorde la santé et la vie, une bonne santé de fer et une longue vie. C'était Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes. Mesdames, je suis votre avocat. Je resterai votre avocat. Et je salue tous les messieurs qui sont là, qui s'abonnent de plus en plus. Et sachez que j'ai déjà parlé sur la première vidéo concernant certaines choses qui sont en cours. J'ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc je vous fais ces vidéos-là rapidement pendant mes choses sont en train de sécher que je dois expédier pour qui de doit. Sous ce, restez en vie. Restez en vie. Restez en vie. Restez en vie pour voir demain. Le jour où vous allez comprendre ça, vous avez tout compris. Prenez soin de vous.